tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche et comme dit dimanche dit... Oh là là, la motivation de Corinne. Bah quoi Comme dit dimanche dit... Mais moi je hurle pas comme toi. Allez, troisième fois c'est la bonne. Non. Comme dit dimanche dit... Et c'est la première fois depuis qu'on fait des brocanches, qu'on va en brocanche déjà plus loin que d'habitude. Parce que. On a déjà fait ça. Non, j'ai dit plus loin que d'habitude. Ah oui, que... J'ai pas dit qu'on a été. On a été beaucoup plus loin. Oui, oh, on a oui. été jusqu'à. Jusqu'à Agde. 7, ouais, voilà. Non, 7, on l'a. Non, c'est Agde. On a fait 7. Oui, on a été jusqu'à 7, après 7. Oh, wow. Alors, on était à 8. On a... je la redis si au cas où tu ne l'as pas entendu. Elle a dit on a été après 7, on a été à 8. Pana pana, voilà. Ah, ça le fait de dormir bien. Voilà. Et c'est la une des premières fois qu'on va à 10h. On part à 10h. C'est abusé. Ouais, mais... Bref, on a dormi. Le sommeil, il y en avait besoin. Ouais, comment dire que donc je vais oui il n'y a pas eu de vidéo de la quasiment de la semaine depuis quand jeudi mercredi et merci cette petite sortie matinale de vouloir aller filmer le lever de soleil avec ce drone que je n'ai pas fait voler parce qu'il pleuvait et ben j'ai pris froid et depuis je fais mon homme malade. Oh, ça va, il y a pire comme j'ai fait pire. Oui, mais, ah, mais qu'est-ce que t'es roux quand même. Oh là là. Oh, mais ah. Nous c'est notre seul. C'est notre seul truc. Ah bon? Oui, d'être relou quand on est malade. Mais vous êtes tout le temps relou en fait. Pas que quand t'es malade, je te rassure. Ah la vieillesse, c'est pas bon. J'avoue. Ah plus il vieillit, plus il devient roux, il devient comme son père. Mais je m'en fous, je sais qu'il en regardera pas. Donc je deviens comme mon père. Bon ça va, il vieillit bien, mon daron. Il vieillit bien. Bref, donc ouais, petit malade, petit rhume, je pense. À vrai dire, je sais pas. Et puis avec les loulous que je garde qui sont malades, ça peut aider, je pense. Quoi. On est un nid à la maison, un nid de microbes. Ah, ouais. Dédicace Sophie. Après, non, je pense pas. Non, mais je pense que moi, c'est vraiment le mercredi matin. Après voilà, hein. De toute façon c'est la saison non, mais des rhumes. Oui, en plus je dis dédicace Sophie parce que tu regardes les vidéos, je pense qu'Elena aussi elle a le rhume. Mais oui, Adélia aussi. Non, il n'y a que Adélia pour l'instant, mais de toute façon je la récupère demain, c'est sûr, avec le rhume, j'en suis persuadé. Bon bref, allez. Ce n'est qu'un rhume, c'est pas grave. Ce n'est qu'un rhume, ce n'est pas grave. C'est là le titre. C'est le titre de la vidéo. Ce n'est qu'un rhume, ce n'est pas grave. Non, je n'irai au cas où si quelqu'un se pose la question. Non, je n'irai pas me faire tester ou un truc comme ça parce que je sais que. T'as pas de fièvre. Oui, voilà. Après, je sais pas si j'ai pas de fièvre parce que peut-être que ton thermomètre il déconne. Mais ta connerie elle déconne pas. Mon thermomètre il est tout neuf. Ah ouais, mais on sait jamais. Mais non, je vais te mettre le thermomètre dans le cul, tu vas voir si l'autre il fonctionne pas. Tu vas voir. Ouais. Ah ouais, vas-y. Ah ouais, thermomètre dans le boule. Quoi dire sur ça? Ah oui, si, t'as vu la coupe de vache, si, tout ça, tout bien. T'as vu la coiffeuse, elle est passée hier. Elle a fait la teinture des mèches. Des mèches à Corinne. Et elle a fait une coupe de cheveux potable à Romain. Parce... tout le monde y est passé sauf Aya. Ouais, c'est vrai. Et mis à part ça, de toute façon, si ça se trouve, t'es là pour la brocanche. Et on fait quoi? On fait la brocanche. Oui. On rentre mangeanche. Et on va chercher des châtaignes. Ouais. Je demande à ton frère s'il veut venir. Si il veut. Bah, j'ai regardé ça, je vais. Donc peut-être qu'on aura des vidéos de drones. Ah, ça fait longtemps. En plus, ouais, il fait frais, mais il fait un beau ciel bleu. Donc, ouais, il fait frais. Bah, après, il fait frais, mais il fait 9 degrés, quoi. Ça pique. C'est l'automne, quoi. C'est aïe, bah, nous, l'automne, c'est bien installé et bien ancré, là. Bien. Bon, après, nous, on n'a toujours pas rallumé les radiateurs. Parce que, honnêtement, il fait super. Bon, il fait un tout petit peu frais là-haut, mais...
Voilà, avec la couette ça passe. Et en bas, franchement, on dirait qu'on a allumé les radiateurs, mais non, non. Il fait super bon. Et il y a un radar. Radar. Faut faire attention. Parce que un permis, c'est putain. Ah, moi, j'ai pas. Donc voilà. Je sais pas, moi, j'ai pas. J'ai jamais. On m'a jamais retiré de poids, je crois. C'est normal, les cartes grises à la main. Enfin bref, ouais, non, on n'a pas l'air d'allumer les radiateurs et il fait frais, mais après voilà, ça va tuer les microbes, on va dire. D'accord. Voilà. D'accord. Et vous avez rallumé les radiateurs chez vous, les cheminées, tout ça, tout ça? Oh, je suis sûr qu'il y a au moins la moitié qui vont nous dire oui. Je pense. Qui vont nous dire qu'ils ont déjà tous ceux que Marie, je pense qu'elle a. Oui, elle m'a dit qu'elle avait déjà rallumé. Voilà. Ouais, ça fait un moment déjà. En Belgique. À mon avis, ils ont quand même rallumé, je pense. Ouais, peut-être le soir, ouais. Mais là, ça peu. Fait très automne, regarde. Mais là, oui, mais d'un seul coup, c'est... Mais c'est la première fois qu'on voit ça, en fait, ici. Bah, aussi rapide, bah, surtout... Mais non, parce que d'habitude, nous, on passe de été indien à hiver, en fait, direct. Mais là, on a l'automne. Que là, on est vraiment automnal, en fait. Là, on voit des feuilles marron-orange. Bah, c'est joli. Mais c'est la première fois que je vois ça, en fait. Ouais, j'ai l'impression. Toutes les vignes et tout sont oranges aussi. Bon, bref, ouais. Allez, on part sur la... On fait que deux brocantes aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit, mais il y a deux brocantes. Et encore, c'est même pas de la brocante vide-grenier, en fait. C'est de la brocante vraiment brocante. Et marché aux puces. Ouais, voilà. Ouais. Sur Béziers, donc il y en a un qui, pour ceux et celles qui connaissent, il y en a un qui est devant Décathlon, qui est autour de Décathlon, et l'autre qui est au grand stade de rugby. À l'arène. Je sais plus. Bref, allez, c'est parti. Nous nous retrouvons à la maison. Ça rime. Yeah. Non mais t'es folle toi, tu fais du bruit derrière comme ça. Ouais, c'est ça. Normal. Elle veut pas être dans la vidéo, mais elle fait son ouais, petit bordel dans derrière. La vidéo, t'as pas besoin de moi pour présenter ce que j'ai trouvé. Ça passe. Non, ça passe pas. Oh. Ce que j'ai trouvé. Alors ce que tu as trouvé, franchement, c'est ça. Ouais. Bah, c'est très bien. Ouais. Non, hein, dites-le, elle est très belle, hein, elle est belle, hein. Mini, ouais, Mini. Pas toi. Oui, je sais, je m'en fous, moi, je me considère. Mais non, je croyais que tu voulais pas être sur la vidéo. Hein, ah, là. Hein, il est beau mon verre. Donc on a trouvé pas mal de petits trucs, dont ouais. Deux trucs où on est fiers. Deux trucs, c'est moi. Hein, faut l'avouer, comment faut l'avouer. Se répète. 20 centimes le verre. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais poser comme question. Je voulais vous poser comme question. Au revoir. Non, mais vas-y, je te. Vous voulez vous le poser là, comme question. Est-ce que ça vous intéresse quand on fait des retours de brocante comme ça, qu'on vous dise les prix qu'on les a payés? Et donc, nous, on fait souvent des recherches le après, voilà. Pour la valeur, voilà, pour savoir à peu près si on a fait une bonne ou une mauvaise affaire. Et est-ce que ça vous intéresse, donc, qu'on vous dise le prix qu'on l'a acheté et le prix qu'on. Qui coûte? La cote, on va dire la cote, oui. Parce que bah, c'est des trucs qui cotent un peu quand même un petit peu. Bref, alors on a trouvé ça sur la première brocante, c'est le seul truc qu'on a trouvé sur la première brocante. Bah, ah non, le livre. Ouais. Alors, petit verre mini tout simple, rien de. Oui, de fifou. Rien de fifou, hein. Mmh. Ce petit livre, une histoire par jour, en fait, il m'a attiré parce que en fait, par rapport au dessin hiver, voilà, je me suis dit pour le côté un peu, faut faire une photo hivernale. Et donc je me suis aperçu, parce que je ne connaissais pas, en regardant, donc on l'a acheté 50 centimes pour le côté info, et on a regardé sur internet, il vaut entre 5 et 15 euros unité, voilà, et on a remarqué donc en le prenant comme ça, qu'il y avait écrit hiver, comme tu peux voir, on en a déduit qu'il y avait d'autres, donc c'est pour ça qu'on est parti voir, qu'on est parti regarder, et il y a les autres. On peut trouver le lot à 24 euros sur internet. Sur Rakuten. Sur Rakuten, en à peu près bon état. Mais nous, ça va être notre nouveau délire de trouver les autres en brocante. Ouais. Et franchement, les dessins sont super beaux, je trouve. Je sais, vous ne les voyez pas, mais voilà. Donc, 4 janvier, en fait, ça va du 1er décembre au. Tu vas me dire pour l'hiver, jusqu'au 29 février. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il doit y avoir toutes les. Et le livre, il est aussi yeuf que moi. Et le livre, pour côté info, parce que Corinne, elle a regardé aussi. Donc, elle a regardé la date de parution et il date de 1980. 1980 Walt Disney Productions. Donc, est-ce que c'est une numéro... Après, au niveau des dépôts légaux, quatrième trimestre de 80. Donc après, à savoir, je ne sais pas du tout comment ça marche au niveau des numéros d'édition 202.
Je sais pas du tout en fait. Faudrait que je me renseigne par rapport aux livres et aux trucs comme ça, ce qu'il y a, les petites écritures qu'il y a devant. Si quelqu'un connaît dans, dans nos abonnés, donc voilà, donc il y a tout ce qui est, on va dire, les trucs copyright, tout ça, nanana. Édité en France, publié en Angleterre, par Purnell, la loi nanana, sur les publications destinées à la jeunesse. Après, peut-être que selon. J'imagine comme les Tintins, les Astérix, tout ça, selon les éditions, selon les dates, peut-être que ça vaut plus d'argent que d'autres, après je ne sais pas. Voilà, c'était juste pour le côté info, il a 40 ans, le livre. Il est vieux comme moi. T'as pu entendre. C'est tout ce qu'on a trouvé sur la première rocante, c'est-à-dire les deux, le verre et... Oh, je fais bien mon vendeur. Ensuite... Qu'est-ce qu'on a trouvé sur la deuxième brocante? Corinne a trouvé des petits trucs pour les enfants, des cubes. Des Lego. Des Lego, voilà, tout ça. Ensuite, elle a trouvé deux CD. Donc, le Pocahontas et le karaoké Reine des Neiges. Alors, le Pocahontas, il est en très mauvais. Bah, la boîte est en très mauvais état. Après, c'est démarche très bien. Voilà, elle a acheté 1 euro les deux. Après, on n'a pas regardé en soi combien ça. On va dire que ça cotait. Ouais. Voilà. Mais on est plutôt content de ces trouvailles. Pendant qu'elle était en train de chercher ça, moi, avec mes yeux de lynx, j'ai trouvé, franchement, j'en suis tellement fier. Je vous montre la première. C'est un cadre Aladdin, toute simple, voilà. À vrai dire, à mon avis, il est aussi vieux que Corinne. Que le film, parce que donc il y a celle-ci et elle allait avec celle-ci. Voilà la grande affiche, le film, donc l'affiche du film. On a regardé sur internet, elle date de 1992, donc la sortie du film, et elle a même les numérotations de publication et de distribution par la OSP Publishing Inc. Voilà, par rapport à je sais pas quoi de Walt Disney Company, voilà, donc elle est, on va dire, entre guillemets, officielle, parce qu'on a regardé sur internet, en fait, ça n'existe que des officiels, avec ce numéro-là, et minimum, entre 25 et 30 euros, on a même vu que le cadre, ce cadre-là est d'origine, le seul inconvénient, c'est qu'il est cassé, donc je vais être obligé de le changer, mais même le cadre d'origine. Donc on est plutôt content, j'en suis content, parce que je l'ai vu de trop loin. Et pour le côté info prix, la grande nous la faisait à 2 euros. À mon avis, le gars, il savait pas trop. Et la petite, il nous l'a fait en euros, donc le lot 3 euros. Donc on est énormément, je suis énormément content de cette trouvaille. Et pour finir, on m'appelle Romain œil de lynx. À l'autre bout du stand, j'étais comme ça, j'étais en train de nana. Et de l'autre côté, je vois un truc. Je vois ça. Voilà, t'as compris. T'as compris, j'ai juste vu ça. Comme la semaine dernière, Corinne avec sa tasse. Et donc, dans un. Voilà, c'était un truc transparent. Je vois la magnifique tasse. Le Y, alors on a de la chance. On a une fille qui s'appelle Yael et qui commence par un Y. Donc, elle va nous servir. On va pas être obligé de l'offrir. Voilà, donc Disneyland Resort Paris, hein, quasiment c'est la même édition que la semaine dernière, hein. Donc c'est Disneyland Resort Paris, pas Disneyland Paris, c'est une Resort Paris. Alors, pour le côté info, j'imagine qu'elles sont encore cotées, on va dire, entre 10 et 15 balles. Celle-ci au parc, elle va le 10 euros et quelques, quasiment 11 euros sur le parc. Ah d'accord. Mais la nouvelle génération, pas... Oui, pas l'ancienne, celle-ci c'est la Resort Paris, donc c'est les... Ça c'est l'ancienne génération. Voilà, c'est pas la Paris. J'en ai déjà expliqué un peu le côté un peu des noms. Mis à part ça, donc je la vois, la personne me dit 20 euros. 20 centimes. 20 centimes, non 20 euros, excusez-moi. Elle me dit 20 centimes, je vous jure c'est vrai. Elle voit que je tique, elle ferait 50 centimes. Je suis ouais, 50 centimes. Donc Corinne, l'inconvénient c'est qu'elle avance. Donc j'ai été obligé d'attendre, elle est arrivée. Je donne 1 euro. Et le temps qu'elle cherche, je fais aller garder votre vous, elle est 1 euro parce qu'elle était en train de chercher 50 centimes. Je fais de toute façon allez vous, elle est 1 euro, je fais garder. Mais de base, elle voulait nous la faire à 20 centimes.
Et elle a vu qu'elle s'est dit, ouais, non, 20 centimes, c'est ridicule, c'est une Disneyland Paris. Voilà, mais je suis même pas sûr qu'elle ait su que c'était une Disneyland Paris, quoi. Mais les gens, je crois qu'après, nous, on est dans ce monde, bah, on aime ça, on est dans le monde, mais ceux qui connaissent pas, ça leur parle pas. En même temps, on est quand même à 9 heures de route de Disneyland, les gens, ils percutent pas, même si t'entends la c'est poubelle. Connu quand même, Disneyland Paris, quand même. Oui, mais suivant Risa. L'âge, suivant, je sais pas. Bref, donc on a fait des bonnes trouvailles, je trouve, déjà. Et hier aussi, les trouvailles de Place Market. Ah, oui. Alors, la semaine dernière, t'en parlais. Oui, la semaine dernière. Elle parlait de... ouais, t'as compris, pour ceux et celles qui suivent vraiment. Donc, elle cherchait une Mickey Giant, une Giant Mickey. Et elle regarde sur Internet et elle voit quoi? Une Giant Mickey. Bah, il y a encore plus gros. Hein. Bon, celle-là, déjà, je suis super... Il y a encore plus gros? Bah, je crois qu'il y a encore plus grand. Mais moi, celle-là, voilà, je la voulais, je suis contente. Une Giant Mickey, elle est très, 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 très pop. Et elle était, en plus, avec une grande Donald. Voilà. Bon, Donald est un peu moins grand que Mickey. Mickey. Ouais, je l'appelle Mickey. Ouais, je suis américain. Attends, c'est mon poteau, on se la bite. Voilà, une Giant Mickey et une Giant Donald, on va dire. Le seul... Bah, le côté info prix, on les a achetés les deux pour 10 euros. Si c'est des officiels, c'est pour ça que je dis le seul défaut, c'est qu'il n'y a aucune étiquette. Pour moi, la Donald... Bah, la personne, parce que c'était une personne âgée qui me les a vendues, elle m'a dit elles viennent de là-bas. Mais vu qu'il n'y a pas d'étiquette... Il n'y a pas d'étiquette, donc on est... Voilà. Aucune idée de savoir si c'est une officielle. Si quelqu'un peut les différencier hors... Bah ça, faut la différencier hors étiquette, qu'il le peut-être. Après, pour moi, le côté... voilà, je me dis que Donald... Je ne trouve pas l'intérêt de faire de la non officielle. Ouais, pour moi, Donald, autant Mickey, tu la vois dans les magasins, oui, voilà. Style Primark et tout ça. Oui. Voilà. Que Donald, c'est très rare, je pense, de la voir hors du parc. Donc on ne sait pas. Mais c'est pas grave, je l'ai, mon Mickey, je suis content. Donc voilà, on est plutôt content de. Hashtag. Hé, pose-le bien sur le fauteuil. Donc nous avons des fauteuils, mais pour les peluches maintenant. Bref, voilà. Plutôt content de ces trouvailles. Mis à part ça, on va aller faire chercher des châtaignes, comme on vous a dit tout à l'heure dans le début de vidéo. On va repartir sur un vlog à peu près normal. Arrivé sur le spot à châtaignes, on a déjà ramassé quelques petites châtaignes là. Donc on va pas dire notre spot parce que au cas où s'il y a des gens de la région qui viennent et qui veulent nous piquer nos châtaignes, désolé mais on va pas le dire, sachant qu'on a vu énormément de monde sur la route en train de voilà partir dans des endroits, ça doit être leur coin chacun. Nous on s'est pas arrêté, on s'arrête toujours dans notre spot. Là ça c'est un châtaignier. Je sais pas si on le voit. Là, il y en a un, là, un gros. Tout ce qui est jaune, c'est châtaigne. Mais ouais, c'est pas encore de ouf saison. On est quasiment 20 octobre, quasi, je ne sais pas. Je ne me rappelle même plus quelle date on est. On est le 18 octobre. Et je trouve pas que la saison soit super, super en avance encore cette année. Bon, à vrai dire, il y a des châtaignes. Hein, mais il y en a certaines, elles sont encore... encore vertes. Allez, je vous montre. On va partir en comme ça. Regardez. Voilà. Il y a quand même pas mal de boules, hein, surtout sur celui-ci. Il n'a pas été attaqué celui-ci. Bon, bref. J'adore ce paysage. J'adore être ici. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ce paysage est tellement... Là, on peut entendre les motos, hein, parce que bah, vu qu'il fait très beau, on les entend hein, dans les virages. Mais je kiffe tellement ici, d'être ici, pour deux raisons. Le paysage, et quand les enfants se taisent, le calme. Et quand il n'y a pas de moto. D'être en mode, ça me fait vraiment penser, voilà, tu sais, les grands... être en montagne, quoi.
Bon allez, bref, je vais faire voler mon drone, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le faire voler et ce paysage est tellement adéquat pour le faire voler. Donc c'est parti pour des images. Nous sommes rentrés et notre trouvaille, notre récolte, ils sont beaux, hein. Attention, on avait peur qu'ils soient pas très mûrs et donc on voit pas, c'est, il y a de l'ombre. 2,249 kg. Je vois pas, on voit pas avec la caméra. Bah moi je vois pas en retour. Ah mais si j'enlève ça va s'enlever. Bon, 2,249 kg. Waouh. Voilà. Mais ils sont beaux, hein. Ouais, c'est clair, ouais. Des mahouons. Adélia, c'est à les voir, même. Des mahouons. Donc, plutôt content de notre récolte, sachant que ce matin, sur les brocantes, les gens les vendent 3 euros le kilo. On a fait une économie de quasiment, donc, 6-7 euros le kilo, quoi. 6-7 euros le truc. Regardez ce que j'ai fait cette semaine. Il est trop beau. Le Happy Halloween, il est trop beau. Bon, le Trick or Treats, après, faut comprendre, c'est des bonbons ou un sort, mais c'est trop beau. Et regardez, franchement, là, je vais vous saouler, je vais vous montrer tellement de choses. En bois. Bref, on va se quitter là. Je vous en reparle demain. Et j'ai commencé, ouais, en fait, cette semaine, vu que j'ai pas filmé, j'ai fait plein de choses. J'ai commencé à nouveau. Non, j'ai pas commencé un nouveau régime. J'ai juste commencé un nouveau puzzle. Voilà. Bon bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à laisser ta petite marque et tout ça. Et je te dis peut-être à demain ou à après-demain ou à après-après-demain ou dans la semaine ou dans l'année ou dans... Allez, tchou.